bien, bonjour à toutes et toutes les amis, comment allez-vous? Bah, écoutez, ça va super bien, je suis en compagnie de Thomas. Ça va? Oui. Ok, super. Bon, hier, hein, vous le savez, hein, j'ai été à l'Avengers Campus, hein, c'était déjà lundi, c'était génial, franchement, j'ai passé un super moment. Il aurait dû venir avec moi, mais il a eu un empêchement de dernière minute. Voilà, petite fun fact sympathique. Ouais. Ouais. Et donc, du coup, bah, vous le savez, j'ai fait un tour dans mon vlog, et bah, du seul magasin disponible sur le campus, hein, le. Comment il s'appelle? Mission Equipment, il s'appelle, hein, le magasin. Je vous ai fait un petit peu, voilà. Le tour d'horizon de tout ce qui est vendu, et je vous ai acheté, eh bien, alors il y a quatre objets que j'ai acheté. Voilà, c'est parti les amis. Eh bien, pour le premier objet, c'est parti, un unboxing sur la chaîne, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait, en plus c'est cool, et pareil pour le vlog. Mon dernier vlog daté de 2018. Bon Dieu. Oui. Et mon vlog, un unboxing, ça, depuis la sortie de la Xbox Series X. Et on va en parler, mais première apparition dans ces vidéos, c'est un truc Marvel. 2022, première apparition, je crois. Je crois, ouais. Encore un truc Marvel. Faut croire que... Marvel, il m'attache et il m'enchaîne, ils me font ce qu'ils veulent, surtout quand c'est ça. C'est vrai, ouais, avec Spider-Man No Way Home. Oui, c'était ça en plus. Hein. Ça fait combien de fois que t'es venu sur la chaîne déjà? Je dirais une dizaine. Une dizaine de fois. Si on compte tes courts-métrages avec. Oui, sans les courts-métrages. Sans les courts-métrages, 6. 6, ouais, bon bah voilà. Bon bah les amis, c'est parti pour le premier objet, unboxing. Allez, c'est parti les amis. Alors le sac, il est là. Il est lourd surtout. Non, ça va mon frère. Non, ça va. Voilà, le sac est là. On va commencer avec le premier objet. Est-ce que j'aurai le droit de déballer des objets? Hop là, on commence avec la première pop spéciale, et eh bien Avengers Campus, qui est sur le thème eh bien, de la deuxième attraction phare du campus, la Web Worldwide Danger Arcade, pardon, Brigade, pardon, qui est donc à l'Avengers Campus, où il faudra tuer des Spider-Bots pendant l'insertion, la journée porte ouverte, et eh bien, de... Voilà. C'est quand même vachement con, hein. Le mec, il a créé des robots et il faut les buter. Bravo, ouais. Bravo Spider-Man. Donc voilà les amis, allez c'est parti, on passe, je vous la remets quand même au cas où. Hein. Voilà, je vous la remets ici, c'est bon, vous la voyez bien. Je veux la prendre, il veut pas. tiens, merci. Là d'ailleurs, petite anecdote, le Iron Man, c'est le Iron Man avec le Reactor Arc version 2. Tu sais, c'est celui en forme de... Ah non, même pas du tout. Alors là, bon, je vais faire ma gueule. Voilà. Alors du coup, deuxième et dernier, parce que vous voyez, hein, y a deux figurines dispo, eh bien, pour l'Avengers Campus. Deuxième figurine, Spider-Man avec un Spider-Bot, les amis. Voilà. C'est très très belle. Moi, j'aime bien. Ah, le style. Elle est vraiment sachant que il va y avoir des nouvelles figurines pour Spider-Man No Way Home. Oui, j'ai vu ça, effectivement, ils l'ont annoncé ça à la Comic-Con. C'est les trois Spider-Man, et je crois qu'il y a... Avec Alfred Molina qui joue... Alfred Molina. Molina. Ah oui, Docteur Octopus. Voilà, au fond du Docteur Octopus et Docteur Strange. Parce que... Voilà, les amis, allez, chiant. Et là, une pop, Docteur Strange in the Multiverse of Madness, qui est Supreme Strange, qui a dans le film... Qui est celui qui se fait buter par Black Bolt. Tout à fait, oui. Et ouais. Un des chefs des unes. Hein. Il est quand même très très beau, cette figurine, j'aime bien. Franchement, voilà. Super sympa. Elle est stylée, il y a des bons détails hein, en vrai. Parce qu'on n'avait pas la cape. Enfin, on l'avait, mais genre, tu sais, en mode pli. Dans les cinématiques ou les flashbacks qu'on avait, je crois. Je vais vous faire des plans où on les voit en gros plan, bien comme il faut, etc. Hein. Ne vous inquiétez pas. Mais voilà, en tout cas, pour cette. Vas-y, prends-la. Vas-y. Pour les trois figurines que j'ai achetées eh bien, lors de l'Avengers Campus, évidemment il y a d'autres modèles hein, disponibles. Hein. J'ai vu du Spider-Man No Home. Alors ils avaient. Quand j'ai vu sur Twitter hier, ils avaient des figurines pop Spider-Man No Home avec les Spider-Man. Et quand j'y suis venu, ils n'y avaient plus. Voilà. C'est ce qu'on appelle se faire. Voilà. Voilà, je veux rien dire, mais bon. Bon voilà les amis, et bien pour ce qui est et bien des trois pop que j'ai acheté, maintenant on va passer à ce qu'on appelle le plat de résistance. Le plat de résistance, effectivement. Celui-là. Je vous ai fait en plus, la dame dans la vidéo nous a gentiment fait une petite démo. La vidéo est disponible sur ma chaîne YouTube. Eh bien, on va passer à
au Spider-Bot. Voilà. Qui, pour moi, me fait penser très clairement à un putain de figurine pop géante. Bon, ça coûte 70 balles, je crois, à peu près. 70 euros tout rond, ouais. Ouais, donc ouais, ça, c'est quand même une grosse figurine pop. Bon, interactive, certes. Mais... interactive, effectivement. Voilà, je vous la montre de toutes ses coutures. Et de ce qui, de ce que j'ai compris hier, en fait, la dame m'a dit qu'il y avait trois modèles de petits Spider-Bot à 25 euros, un Black Widow, un Black Panther, un Iron Man, et on pouvait, en fait, assembler, en fait, eh bien, avec ce Spider-Bot... pour avoir eh bien les comment dirais-je les fonctionnalités, les pouvoirs, des armures en fait. Hein. Iron Man ça va régénérer de la santé, Black Widow ça va améliorer comment dirais-je la rapidité, l'agressivité des combats. Et Black Panther, ça je va. Je crois que c'est des dégâts en plus, en vrai. Je crois en plus, ouais. C'est... parce que et l'invisibilité aussi, je crois. Parce que en fait, si t'achètes deux Spider-Bot interactifs, enfin manipulables, bah tu peux les faire combattre. Ouais. Tu peux les faire combattre entre eux. Ceux-là à 70 là, ou les 25? Non, tu peux. Non, c'est ceux-là. Ah ok. Tu peux les faire combattre entre eux et avec. Les petits à 25, tu peux eh bien créer une armure et les améliorer quoi. C'est quand même très très belle. C'est bien. La question que je me pose, est-ce que ça peut filmer ou faire des photos ? Non, du tout. Ah, c'est juste décoratif. Bah c'est ça va bouger, on le testera d'ailleurs dans une prochaine vidéo. Okay. Hein, en extérieur en bas du studio hein, directement on faire ça pour de vrai quoi. Ouais. Bah là les amis donc alors on va pas l'ouvrir, on va l'ouvrir dans une prochaine vidéo, mais vous avez des plans où je vous le montre d'assez proche. Voilà. Bah les amis, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire comme conclusion de ce que j'ai acheté? Bah, des bons achats, hein, j'ai envie de te dire. Alors, moi, j'ai acheté les deux. Je vais y aller, moi. Enfin, je vais y retourner, de toute manière. Pour compléter l'armure de mon Spider-Bot. De toute façon, tu sais ce qu'ils m'ont dit, mes parents. Mais c'est pas un jouet, de toute manière, c'est un lieu de collection. Oui, oui. Mes parents m'ont dit, oui, tu iras, on prendra l'hôtel, puis voilà. Ah ouais? Oui. Ah, génial. Putain, moi, l'hôtel, j'aimerais bien y aller. Ouais, mais faire c'est les hôtels. Je crois qu'il y a différents thèmes, mais je sais plus c'est quoi les thèmes. Ouais, bah, ça serait cool de faire un vlog à l'intérieur, parce que je crois qu'il y a un musée, je crois, carrément à l'intérieur, qui parle de tout le parcours de. Ça dépend, je pense, parce qu'il y a plusieurs hôtels. Il y a différents hôtels. Bah, moi, ce que je veux, c'est le New York, le nouveau hôtel spécial Marvel. Ah oui, moi, c'est ce que je veux. Hein. Moi, si je prends là-bas, c'est. Voilà. Bon, je ferai avec ce que j'ai, mais si je peux pas l'avoir, je prendrai. Je prendrais ça quoi. Ok. Bon alors du coup, quelle est la conclusion qu'on peut dire avec tout ça là? Bah déjà pour commencer, t'as les seules figurines de l'Avenger Campus, donc c'est effectivement c'est collector. Hein. Effectivement. T'as une figurine de Dr. Strange, donc ça rajoute à ta collection de figurines pop qui est juste là, mais vous la voyez presque pas, mais... Bon, il en a pas énormément, il a même pas du tout de Dr. Strange Multiverse of Madness. Bah non, du tout, c'est ça, pour ça que j'ai rattrapé le coup. Et il a rattrapé le coup, et il l'a bien fait. Ouais. Il l'a bien fait parce que... Qu'est-ce que... Non, il n'y en a pas du tout de. Même pas de version. Ah, si, il y en a une, mais version No Way Home. Et toi, tu me dis que je suis un pro Marvel, mais regarde. DC Comics, hein. Ouais, enfin bon, quand même. T'as des figurines de The Batman et tu vas tacler comme un chien. Mais c'est différent parce que je me dis, je veux dire, elles sont belles, les Funko, donc même si les films je l'ai pas aimé, tu vois, histoire 2, quoi. Ah, mais moi je fais pas comme ça, donc je marche pas comme ça, contrairement à toi. Bon, bah les amis. C'était la fin de cet unboxing, voilà, c'est cool, c'est chill. C'était rapide. Allez, ciao tout le monde les amis, bye tout le monde.